Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Antoine qui va nous présenter sa magnifique Seat. Elle est sublime, il est juste à côté de moi. Ça va frérot ? Ça va, écoute, ça va. Bienvenue sur la chaîne. Merci, merci à tous. Donc aujourd'hui, tu viens nous présenter la Seat. C'est ça. Seat Cupra. Donc on va t'écouter, de savoir quelle année elle est, quelle motorisation. Donc c'est une Seat Leon Cupra Performance. Alors une performance, c'est une édition un petit peu limitée, qui est limitée à 200 exemplaires. Donc sur la Cupra, on a la Performance, la Carbon Edition et la R. Voilà. Donc tu as la Performance qui va avoir les gros freins de la RS3. D'accord. Voilà. Donc ouais, c'est comme sur la RS3 alors les freins. C'est ça. Donc tu as les mêmes freins que la RS3, tu as les jantes forgées dessus. C'est du combien les jantes? C'est du 19. 19 pouces, elles sont énormes. En plus, elles prennent bien toute la forme. Je te disais tout à l'heure, est-ce qu'elle était rabaissée? En fait, non, elle est d'origine là du coup. Et... ouais, c'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que ça remplit bien le... Et donc la différence avec la Performance, c'est comme ça qu'on la reconnaît, avec ces jantes typiques là et les freins DRS3. D'accord. Après, il y a quelques options qu'on peut avoir en plus. Et donc après, je parle de la Carbon Edition. La Carbon Edition, en gros, elle va avoir une petite lanement carbone ici. Ouais. Voilà. Et la R, elle va être beaucoup plus bodybuildée. Elle aura du bronze comme ça, ici, et à l'arrière, elle aura donc, parce qu'elle existe aussi en break. Ouais, en break, ouais. Elle sera beaucoup plus bodybuildée, elle a une grosse L comme ça, voilà. D'accord. Et donc après, donc la Cupra break, elle est en 4 roues motrices, et les Cupra classiques, comme ça, elles sont en traction avant. Voilà. D'accord. Et du coup, Donc en option, on a le son audio Beats. Donc par exemple à l'intérieur, comme on peut le voir ici. Voilà, les sièges baquets Cupra, qui sont pas une option sur la Performance. Ils sont jolis, hein, en daim comme ça, cuir daim. C'est ça. Donc, et on a le toit ouvrant. Et le toit ouvrant. Et elle a également le Virtual Cockpit, mais il me semble que c'est de série. Donc en fait, elle est vraiment full option cette série. C'est ça, elle est full. Il y a pas une option qui manque. Donc là, on a les seuils de porte Cupra. Qui s'allument la nuit, ouais, c'est plutôt. Ah ouais, agréable. Ça s'allume. Ouais. Ah ouais, c'est cool ça. Tes tapis sont magnifiques. Ils ont la couleur du tapis en dessous, ouais. Je dirais, ça suit le. Bah dis-toi que là, je l'avais acheté donc chez Seat Marseille, à Marignane. Ouais. Et en fait, ils m'avaient pas mis de tapis. Du coup, j'ai dû aller les acheter. Du coup, j'ai pris la qualité Seat. Ouais. Et c'est des tapis d'origine Seat, ouais. D'origine Seat, ouais, tout à fait. Ils sont super beaux, hein. Franchement, elle est superbe. Et elle est de quelle année, frérot, du coup ? Donc 2019. Voilà. Ouais, elle est toute neuve, quoi. Comme, c'est ça, ouais, tout à fait. Et donc, la spécificité des 2019 et il me semble 2018, si je dis pas de bêtises, ouais. C'est les logos en bronze, comme ça. D'accord, donc parce en fait, que, toi, les logos, ils sont d'origine. Parce qu'en fait, Cupra a été racheté. Enfin, Cupra a fait son indépendance, si tu veux. Ouais. Tu sais, donc là, on peut voir les nouvelles Seat Leon Cupra et tout, avec le vrai logo Cupra qui a changé. Et en fait, donc la différence des Cupra, c'est que du coup, elles ont le logo bronze, etc. Et ça, c'était l'année de transition avant qu'ils fassent les Leon Cupra avec le vrai logo Cupra, etc., etc. Donc c'est pour ça que tu as le rappel bronze ici, sur les centres de roues. Et également sur le volant. D'accord, voilà. Donc tout d'origine ça. Ça c'est tout d'origine. Et toi niveau esthétique, t'as fait quoi en plus? Moi j'ai rien fait. Même les petits trucs en carbone là, les protections. Alors ça c'était l'ancien propriétaire qui l'avait. Pour protéger les portes. Pour protéger les portes. Ça va, ça fait un petit look. Au départ j'ai trouvé ça moche et au final tu sais je me suis. Ouais, ça fait un petit look quoi. Je me suis dit vas-y c'est beau, je laisse. Et c'est réfléchissant ou pas la nuit? Je crois pas. Ouais. Voilà. Ça c'est quoi du coup le petit logo groupe Donc ça c'est là où je l'ai acheté. Là où je l'ai acheté, voilà. D'accord. Ça, c'est ton YouTube. Voilà, ça, c'est mon YouTube, parce que j'ai aussi une chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne d'Antoine. C'est gentil. Il présente également des véhicules un peu atypiques. Donc, il a un compte Insta aussi, donc c'est le même nom. Hein.
Ouais, c'est ça. Ah, tu l'as sur le côté, regarde. Ah bah oui, donc là vous avez tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube et son compte Instagram. Voilà. Alors après, on va parler du moteur et du châssis. Alors le moteur, c'est un 2 litres TFSI comme sur toutes tes Audi S3, ouais, c'est Volkswagen TCR, ouais, etc. Et donc, ça serait le moteur donc de la TCR, celle-là. Voilà. D'accord. Et alors, elle châssis de la Club Sport. D'accord. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle tourne plus vite sur le Nürburgring que la TCR et que la Club Sport. Donc voilà, elle est mieux équilibrée. D'accord, ok. Voilà. Bon, on va voir ton moteur alors directement. Alors, si tu peux nous ouvrir le... En plus, elle est bien préparée du coup. Alors là, on dirait pas, elle est toute d'origine d'extérieur, mais elle a une reprog. Donc là, le magnifique TSI, donc turbo, un moteur à turbo. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et en dessous du logo Seat, t'as le logo Volkswagen. Ouais, le logo Volkswagen, ouais. Tu sais, on a pu voir sur TikTok, ouais, et des petits trucs comme ça. Et voilà. Du coup, d'origine, ça développe, tu m'as dit, 290 chevaux. Et là, on est à... Et donc là, on a fait une reprog stage 1 bioéthanol. Ouais. Et on a changé le filtre à air BMC. D'accord. Donc ouais, en gros, dès que je l'ai acheté, une semaine après, j'ai fait la reprog. Voilà. Parce qu'en gros, pour vous expliquer, je voulais la passer au bioéthanol et mon pote, fait Luso Motorsport, il y a son autocollant sur le côté, juste ici. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, vas-y, pour 200 matchs, je te fais le stage 1. Alors du coup, j'ai dit, bon allez, vas-y, je vais craquer le stage 1. Lui, il fait de l'éthanol? Voilà. Donc lui, il fait de l'éthanol, il fait du stage 1 aussi. Et il donc fait il peut installer les boîtiers. Voilà, ouais. Et les niveaux années, parce que je sais qu'il n'y a pas une histoire d'année à partir de 2000 ou ça n'a rien à voir? Je sais pas du tout ça, ouais, par contre. Bon bah tous ceux qui veulent contacter pour installer donc, des... Luso Motorsport. Luso, voilà. Motorsport, n'hésitez à pas Bourg-en-Bresse. À aller à Bourg-en-Bresse. Voilà. Donc, elle sort donc un stage 1 avec le filtre arrière BMC. Elle sort 393 chevaux et 502 Nm de couple. Ah ouais, ça doit avoir. En plus c'est léger, ça fait 1,3 tonne, 1,4 tonne comme tu m'as c'est expliqué. C'est ça, ouais, ouais, comme je disais. Et bon après on a bridé volontairement le couple de la boîte parce ouais, qu'elle n'a pas de stage 1 la boîte. D'accord. Donc ouais, en gros on a bridé ses piles à 500 Nm de couple. Après faut pas aller au-dessus parce que sinon c'est pas très conseillé. Ouais, donc t'as fait un... Il faudrait faire un stage 1 après derrière. D'accord, ouais, t'as fait un stage 1 niveau calculateur moteur. C'est ça, tout à fait. Mais soft pour ton véhicule quoi. Voilà. Après, niveau d'échappement, elle a une ligne d'origine. Donc ça, c'est tout d'origine. Voilà. Elle est tout d'origine. Et je vais supprimer l'intermédiaire bientôt. Ouais. Donc je l'ai fait moi-même avec mon mécano. D'accord. Voilà. Donc là, si tu veux, le tube, on l'a déjà fait et tout. Mais bon, on n'a pas encore eu le temps de souder. Ouais. De monter. Donc pour l'instant, elle fait le son d'origine. Voilà. Donc niveau prépa, simplement filtre et reprog. C'est ça, tout à fait. Voilà, après tout le pack d'origine, donc comme on a dit, les freins. Tout à l'heure, je regardais, c'était vachement près des étriers, mais ça passe. Hein. Ah, ça passe, c'est calculé pour. Hein. Ouais, ouais, t'as pas de cale. Hein. Non, pas de cale. De toute façon, tu comptes pas en mettre parce que t'es vraiment à fleur là. Ouais. Ouais, t'es à fleur. Hein. Peut-être à l'arrière, j'aurais dit, mais encore. Et franchement, le châssis, il est tellement dingue sur cette voiture. Ça tient bien la route, ouais. T'as vraiment pas besoin. Tu vois, moi avant, j'avais une Polo GTI. 1 litre 8, ouais, ouais, qui faisait 250 chevaux. Elle avait ligne des Kata, elle avait les ressorts courts. C'était vraiment une voiture, j'ai vraiment bien kiffé. Et là, j'étais agréablement surpris parce qu'elle tient encore plus la route que la Polo. Bon, c'est normal aussi. Ça tient mieux la route que la Polo, ouais. Gabarit, mais t'as vraiment pas besoin de lui mettre des ressorts courts. D'accord. C'est vraiment, c'est posé au sol et elle chasse vraiment très peu du cul aussi. À mon avis, le couple il doit être impressionnant dessus vu que c'est léger, fait, ouais, en plus ouais, en traction. Donc là, la ligne, tu m'as dit d'origine. D'origine, ouais. D'origine, juste reprog et filtre. Voilà. Bah nickel, et j'ai... Et après, donc, il ouais, y a le virtuel, l'espèce de virtuel cockpit. Ouais, j'ai filmé côté conducteur. Attends, je me permets, frérot. Je sais pas si c'est la clé, non? Oh, le bip. Bon, c'est pas grave. Bon. Donc là, on a le virtuel cockpit. C'est ça. Donc, c'est super joli, hein. Et ça consomme, excuse-moi, ça consomme pas trop, non? Alors si, ça consomme vraiment pas mal. Ouais. Alors là, tu vois, pour venir de Villefranche, j'ai mis... T'as le démarrage sans clé, ouais. 13,5, ouais. Démarrage sans clé. J'ai mis 13,5 pour venir de Villefranche. Ouais. Donc jusqu'ici. Donc, après, ça reste raisonnable pour la motorisation. Ouais, parce franchement. Parce que là, elle est bien préparée, machin. Après, ça dépend si tu roules à l'éthanol ou pas, mais ouais, en gros, si t'es en full samplon 98, t'es à 20 litres. Ouais, 20 litres. 20 litres, ouais. 20 litres au 100 en full samplon 98. Et en full bioéthanol, t'es à 33 litres.
D'accord. Et sur des grosses balades. Hein, et vers chez toi, ça va? Vous arrivez à trouver des stations? Ah oui, oui, oui. Ouais, il y a une station juste à côté. Ah bah nickel. C'est vraiment pratique. Puis même, tu vois, je suis allé à Angers avec. Ouais. Et à l'aller, j'ai eu une petite sortie. Ouais, vas-y, je t'en prie. Avec le dos des sièges, voilà, qui sont aussi sympas. Ouais. Pas mal de place quand même à l'arrière. Hein. Ouais, franchement. T'as l'appui-tête au milieu, l'accoudoir. T'as équipé l'aide d'origine ou c'est toi qui les as installées? Non, c'est d'origine. Ouais, elle est jolie, ciel de toit noir en plus. Tout est d'origine de toute façon. Petit ciel étoilé bientôt par le transporteur. Non, pas encore. Hein, le nombre de personnes qui m'ont demandé de le faire, j'ai dit non, je fais pas. Moi, le tuto, il est là pour aider les gens. Ouais, bah, après, faut vouloir le faire. Putain, j'ai passé 12 heures. Je m'étonne. Donc, je disais, pour aller à Angers, en gros, j'ai dû mettre. En fait, il faut bien calculer son trajet avant pour les stations bioéthanol. Comme et ça, t'anticipes, ouais. Ouais, c'est ça, t'anticipes un peu le changement et tu vois, à l'aller, j'ai perdu quoi, 5-10 minutes juste pour sortir d'autoroute et aller chercher de l'essence à Leclerc, au Total, de toute façon, il faut un peu de tout. Je vais voir le coffre, frérot, du coup. L'aileron, on n'a pas dit, il est d'origine, ouais. C'est tout, ouais, le béquet est d'origine. Un beau petit coffre. Ouais, t'as un gros volume et contrairement. C'est bien que t'as le haillon, du coup, pour faire de la hauteur. Ouais, tout à fait. J'ai un pote qui a une Golf 7R et lui. La petite, gros, lui, la petite casquette GTI du frère. Ouais, c'est ça. J'avais la petite. Quand j'avais la Polo GTI, tu sais, j'avais le petit t-shirt Polo GTI plus la casquette. Mais au final, je crois que j'ai jamais dû mettre la casquette. Ah, mais elle est jolie, on sait dire comme ça. En gros, la Golf 7R, elle s'arrête là. Ouais. Et après, t'as la roue de secours et tout, etc. Alors que tu vois, celle-là, elle est vachement plus profonde. Ouais, il a l'air plus profond qu'une Golf 7, je pense. Ouais. T'as le jeune A, comme tu m'as dit, jeune permis. Jeune permis. Déjà eu au moins 3-4 bolides. C'est bien, les belles évolutions. Ouais, c'est une belle évolution. Ah, parce que... je vais pas me plaindre, c'est vrai que je vais pas me plaindre. Ouais, non, t'as eu des bonnes caisses, comme tu m'as dit, l'Apollo GTI, la Seat. GTI, ouais, j'ai eu mon permis au mois de mars. Ouais. Et après, j'ai eu au mois de mars, donc ça fait maintenant 2020, du coup. Ouais. 2020. Tu sais, on était en plein Covid. Après, donc j'ai acheté une petite 206, c'était ma première voiture. Ouais. Donc ça me sert aussi de daily, tu vois. Donc c'est bien d'avoir un peu de tout, comme ça, celle-là, tu la laisses au garage. Ah, bien sûr, ouais. T'es tranquille. Et après, une semaine après, j'ai eu l'Apollo GTI. Donc voilà, et bah, franchement, une superbe voiture. Pour commencer sur les sportives, il n'y a rien de mieux. C'est ouais, c'est vraiment... clair. T'étais en 3 portes ou 5? J'étais en 3 portes. 3 portes, ouais. Ah, là, ça doit te changer. Et puis c'est plus pratique, hein. Je sais pas ce qui t'aime. Ouais, c'est plus pratique. Après, moi, je t'es plus coupé, En gros, moi, s'il y a des passagers qui montent derrière, tu sais, je fais toujours monter par le. Par le passager, ouais. Par le passager avant, comme ça. Moi, je me bouge pas et voilà. Mais à l'heure actuelle, tu peux faire une 5 places quand même? Enfin, une 5 portes? Ouais, 5 portes, c'est plus pratique. Ouais. Mais. Après, la coupe des 3 portes est quand même aussi belle, hein. Ouais. Mais c'est vrai que celle-ci elle est magnifique, hein. Comme je t'ai dit quand t'es arrivé, le blanc tapant là. Il y a plusieurs blancs ou il y a un seul blanc? Normalement, si je dis pas de conneries, il y a qu'un seul blanc. Ouais, il est super beau, hein. Je crois que c'est blanc glacier ça. Ça doit être ça, ouais, ouais. En fait, ouais, t'as blanc et t'as deux types de gris. Ouais. Sur la Cupra aussi. Enfin, sur la performance, en tout cas, moi quand j'ai recherché sur le bon coin, ouais. Il y avait blanc, gris foncé et gris plus clair. Et t'as le noir. Pour moi, le blanc, c'est ce qui coûte, on va dire, le plus cher. Parce que le jour où tu vas la revendre, c'est une option, tu vois, une couleur. Mmh, ouais, le blanc, c'est. Voilà quoi. Bon, bah nickel, on va écouter le bruit, frérot. Ouais. Et puis après, on ira faire un essai sur la route. Allez. Je te laisse envoyer des coups de gaz du son d'origine. Et ça doit bien chanter, je pense. Donc, la ligne d'origine sur la Seat. Là, en mode Cupra. En mode Cupra. Ah, il est sympa le son. Je pense que quand tu vas libérer l'inter. À l'intermédiaire, ça va. Et là, t'as des petits pets ou pas quand tu alors, roules? T'as des petits clapets, mais tu vois, il faut que je roule vraiment beaucoup avant. Et genre, je la pose là. Et là, je fais 2-3 coups de gaz. Et là, j'ai des retours. D'accord. Sinon, là, tu vois, j'ai pas de retour. D'accord. Voilà. Bon, bah écoute, on va faire l'essai. Allez, c'est parti. On est parti. Allez, on va faire l'essai. Et on va voir ce que ça vaut sur la route. Bon, bah du coup, on va faire l'essai, frérot. Ouais, je te guide. C'est parti. Donc là, tu sors là-bas. On va sortir du parking. Donc déjà, première installation, bah on est bien installé, hein. Les sièges ils sont confortables. Vu que toi t'as fait beaucoup de route là jusqu'à Angers, tu me disais c'est confortable. Alors franchement, quand je l'ai ramené de Marseille, ça m'a un petit peu cassé le dos, ouais. Je t'avouerais. Et après à Angers, j'ai eu peur que ça me casse le dos. Et en fait, tu sais, je pense que c'était le fait de l'émotion. Tu sais que t'avais envie de récupérer ta nouvelle voiture et du coup, je sais pas, ça a créé quelque chose. Ouais. Du coup, j'avais mal au dos. C'est quoi le jeune chariot là, mon dieu? La fauteuil à droite et au stop à gauche. Tu feras gaffe, il y a un dodan, il est un peu haut.
Ouais, je crois. À chaque fois, je touche moins que la 8. L'intérieur, elle est vraiment beau. Donc, Virtual Cockpit, comme c'est tu m'as ça. Dit. Ça, c'est tout d'origine. Hein. Ouais, tout d'origine. Et regarde, tu peux changer. Alors, attends, la sortie. En gros, tu peux changer ces compteurs-là. Là, genre la couleur et tout. Là, tu peux changer la. En gros, là, on voit pas parce que c'est la nuit, mais t'as des LED. Ah, t'as des LED, ouais. Ici. Et tu vois le bleu là que t'as. Ouais. Ici. Et que t'as aussi le rappel sur l'écran. Et bah, en gros, ça peut changer. Tu peux mettre n'importe quelle couleur. Et après, ça fait les portes avec. Ouais, c'est ça. Et tu les as sur les quatre. Non. Pas sur les quatre, juste sur à l'avant. C'est un peu dommage, mais bon. Regarde. Et là, tu peux, tu vois, changer. Ah, le mode. View là. Hop. C'est quoi ton préféré, toi? Moi, mon préféré, c'est celui-là. Et quand je me mets en mode confort, je roule avec celui-là. En fait, c'est quand c'est confort, ça met celui-là et en mode. Non, non, tu peux mettre. C'est un truc en plus. À part. D'accord. C'est à part avec les modes de conduite. C'est pas avec le mode de conduite. Ouais. Voilà. D'accord. Et là, tu vois, t'appuies ici et là, t'as les différents modes de conduite. Confort, sport, Cupra, individuel. Donc la différence. Bon, t'es déjà allé. Enfin, tu es à gauche là. À gauche. En gros, la différence, le mode confort, tu vois, avec les suspensions souples, ouais. La direction souple et, en mode, et le moteur avec les passages de rapport souple également. Et en mode Cupra du coup, tu vas avoir tout en mode plus fort les suspensions, tu vas plus sentir les défauts de la route et la direction ça va être plus ferme aussi. D'accord. Et là t'as pas d'option pneumatique là-dessus, c'est. Non, c'est pas pneumatique, non. D'accord. Là, je te déconseille cette option, hein, moi qui l'ai sur la A8. Moi, j'ai jamais de soucis sur la 8, c'est une fois à l'avant droit, mais le Q7 c'était horrible. Changer le compresseur, la vanne, là faut que t'ailles à droite. Donc là, en gros, tu vois, avec la boîte, tu peux la passer en drive classique. Ouais. Donc là, en mode, comme si tu étais en mode confort, mais tu es toujours en mode Cupra. T'as les palettes, j'ai vu. Ouais, ouais, t'as les palettes. Tu passes vers le bas, tu es en mode sport. Tu ouais. Vois, donc ça rétrograde directement. Et là, hop, palette. D'accord. Ouais, elle est vraiment bien équipée, quoi. T'as ouais, palette, rétrogradage ici. Et la boîte, ça va, elle passe bien. C'est... Ouais, franchement. Ouais. C'est une boîte 7 ou. C'est une DSG7, ouais. D'accord, ouais. Donc les nouvelles boîtes, ouais. C'est ça. Et là, au feu qui clignote, tire à gauche. T'as encore deux Dodo Dan, près d'Alpha. Oui, je vois. En tout cas, on est bien installé. Hein. Franchement, les sièges sont confortables. Donc, les vitres électriques, le frein à main électrique. Les sièges, ils sont électriques? Non, c'est manuel? Non, manuel. Bon, après, c'est un détail. Hein. Moi, je les ai électriques, mais au début, t'es tout content. Après, tu t'en fiches vraiment. Hein. Donc, comme je disais, là, on a tout le ciel de toit en noir. À droite, c'est ça. À gauche, pardon. Excuse-moi. Moi, c'est bon. Et là, tu peux envoyer à l'intersection de chez moi à droite. Ah ouais! Oh, ça marche, t'as sur la droite. Eh ben, on en profite pour voir le freinage, elle freine bien. Ouais. Franchement, j'ai été bluffé par rapport à la Polo. Ah, ça pousse. Hein. Oh, qu'est-ce que ça marche? Fais gaffe. Oh, mais elle pousse! Ouais, tu vois. Elle marche, hein, franchement, elle marche pas. Hein. Fais gaffe. Là, t'as un jeune tunnel. En fait, t'as l'impression que je trouve qu'elle a. Franchement, elle marche. Oh là là. T'as vu le souffle de turbo? Ah ouais, t'as l'impression c'est d'avoir un petit nitro. Tu vois, j'ai ouais, toujours genre, à mes potes, t'as l'impression. Ouais, elle te pousse. Et ça sentait encore plus. Là, tu peux envoyer, je corromps en haut. Attends, fais gaffe, fais gaffe. Je sais pas ce qu'il fout là. Tu vois, t'as aussi des petits retours. 4000, attends, on va essayer. Ouais, je sais pas, passe pas trop peut-être devant eux, parce qu'on va s'arrêter là après pour que tu fasses des allers-retours. Ouais. Attends de passer. Hein. T'as fait chier, c'est ce qu'il faut. T'entends un peu des retours, mais c'est vraiment très discret. Ouais, ouais. Je pense qu'avec une ligne, tu vas bien t'amuser. Putain, mais qu'est-ce qu'elle marche? Elle patine et tout. C'est. Ah, tu vois, mes pneus là, ils sont neufs depuis 8000 km. Et là, ouais. Tu vois, comme je t'ai dit, ils sont quasiment noirs. Là. Eh ben. Peut-être. Et ça fait 3 mois que je l'ai c'est la voiture. C'est l'avant qui. Ouais, ouais, c'est l'avant. Ah oui, c'est l'avant. Et sur le Quattro, ça marche mieux ou. La Quattro, elle marche mieux, tu penses? La Quattro, ouais, ouais, bah oui. Forcément, tu passes forcément plus de chevaux au sol. Après, je pense que t'as quand même plus de sensations au départ qu'avec celle-là, non? Alors, moi, je dis toujours, après, je sais pas, parce que les tractions, c'est quand même nerveux. Hein. J'ai essayé pas mal de voitures, mais c'est vrai qu'il faut bien tenir le volant sur cette voiture-là parce que ça part vraiment. Et le pire, c'est sous la pluie. Ouais. C'est vraiment horrible parce que, en gros, si tu mets le pied dedans,
de 0 jusqu'à 130 sur autoroute, et bah tu vas patiner jusqu'à 130. Ouais. T'imagines? Putain, je peux me poser là, il y a des gens. Putain, fais chier, ils viennent juste d'arriver. Une S3 d'origine, Golf 7 R d'origine, c'est sûr que je les mange. RS3, j'ai jamais fait de. Tu vois. Après, ça marche la RS3, hein. Celle que j'avais filmée, ouais, là, la ça. Dernière. Bah après, tout dépend si elle est d'origine, c'est toujours la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ouais. Si tu peux, je peux te dire, je mange telle ou telle voiture, mais ça dépend si elle est d'origine ou reproc, tu vois. Je sais que j'avais fait une petite différence. Avec un pote qui avait une Golf 7 R préparée, je crois qu'elle faisait 500 chevaux ou un truc du genre. Ouais. Et il mettait une mine dès le début, tu vois. Ouais, mais elle est nerveuse, hein. Après, tu vois, je trouve, après c'est mon point de vue, mais je préfère m'amuser, tu sais, sur des cols de montagne, des trucs comme ça. Là, tu vois vraiment la différence. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Parce que sur une ligne droite, certes, c'est marrant, ça pousse et tout, tu vois. Mais au final, tu sais, ça joue un peu pas au pilotage, parce que je me prétends pas être un pilote, tu vois. Ouais. Mais comment dire, mais tu vois la différence quand t'es dans du sinueux, tu vois si ça tient réellement la route. Ah, mais elle tient pas. Bien, franchement, là on avait des routes un peu serrées, la faut aller à droite. Et là, tu vois, moi j'ai l'habitude de faire des balades avec des Ford Focus RS, hein. Des Fiesta ST et tout. J'ai plein de potes qui ont des Ford Focus RS et Fiesta ST. Ça tient ST. Bien la route. Et tu sais quoi, j'ai été agréablement surpris, mais elle chasse plus du coup que la mienne, alors que c'est une 4 roues motrices. Ah ouais, la Ford Focus RS, ouais. Et là, tu vois, nous ça dépend du châssis, alors après l'état de la marque des pneus aussi, ça doit y jouer, mais je pense le châssis surtout. Ouais, après je dis pas que le châssis il est top sur la Ford Focus RS, je vais pas dénigrer une Ford Focus RS, c'est une très très bonne voiture. Mais tu vois, quand j'étais derrière des Ford Focus RS, quand on allait dans le Jura avec des routes de col, des trucs comme ça, et bah je sentais qu'elle partait plus du cul que la mienne. D'accord. Tu vois, c'est. En tout cas, elle marche vraiment fort. Elle m'a. Ouh, tu t'es scotché au siège. Bah, c'est ça, ouais. C'est... Du coup, elle reprend à gauche. Je pense que tu vas me jeter là-bas dans le virage. Tu vas faire les accès là-bas. Là. Vas-y, tu peux faire une petite accès. Attends, fais gaffe à la Merco. Si elle tourne, elle te. Tu vois, ouais. Vas-y, va tout droit. Tu vois, moi, tu vas me jeter par là. Je vais te filmer, tu vas faire demi-tour au fond, je vais te filmer, tu repasses comme ça, et quand tu fais demi-tour en point, tu repasses et toi, tu fais deux allers-retours. Ouais, ok. T'as compris? Attends, je vais juste montrer le freinage d'urgence un peu. Tu vois. Vas-y, ouais. C'est là où on va vraiment se rendre compte. Là, tu vois, on est à 50. Ouais. Ouais, elle freine bien. En plus, ça des Brembo, j'ai vu. Ouais. Ah, ça freine bien. Non, franchement, c'est. Ah, c'est une bonne caisse, hein. Franchement, félicitations encore, frérot. Ouais, merci. Elle marche bien, elle est légère. On sent pas le poids, elle part comme une balle. Ah ouais, carrément. Ça me rappelle un peu les petites sensations de la RS6, mais en deux fois moins violent, tu vois. Oui, complètement. La RS6, il y avait une poussée, pouah. Mais là, franchement, elle est super nerveuse. Et comme tu dis, ça part et après, il y a comme du nitro, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais en fait, elle souffle du turbo, tu sens que le turbo, il est. C'est quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. Mais je pense qu'avec une ligne, tu vas t'éclater encore plus, parce que du coup, tu vas libérer déjà les gaz, le son. Et elle partira encore plus fort. Bah, tu vois, la Polo GTI, j'étais en décata, suppression d'intermédiaire, silencieux, Cobra. Et là, je suis passé de ça, j'ai l'impression que c'est un aspirateur Dyson. Ouais, mais quand tu vas mettre ton pot, tu vois. Ouais, c'est ça, ça va être la différence. Putain, ça marche fort. Hein. Franchement, c'est. C'est abusé comment ça patine en plus. Donc là, le frérot, il m'a dit qu'il pense mettre la ligne bientôt. Et ça lui ferait pas de mal. Ça lui ferait vraiment pas de mal. Ça marche. Hein.
faire des retours. Vas-y. Ah ouais. Quand tu vas mettre la ligne, ça va être autre chose, hein. Ouais, grave, carrément. Bah écoute, en tout cas, ça chante pas assez, là. Ouais, ça chantera beaucoup plus fort après, tu verras, ça sera un autre truc. Quand tu vas mettre la ligne, tu vas dire quoi? J'ai changé de voiture. C'est ça. Et tu vas vouloir la garder. Bah en tout cas, merci pour cet essai, franchement, elle marche vraiment fort. Donc n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner à sa chaîne, à son Insta. Donc voilà, puis on espère, de toute façon, dès que tu mets la ligne, tu reviens me voir, hein. Ou peut-être avec une autre. Ouais, avec une autre. Tout dépend si j'ai changé de cul, mais... Voilà. Bon, en tout cas, moi, je te remercie pour le passage. Bah, je t'en prie, c'était un plaisir, frérot. Bah, merci, merci à toi, frérot. Puis sinon, pour vous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce bleu, de partager. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.